annonce sa montée. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oh. Sa gloire nous resplendit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, Jésus. Au son de sa voix. Alléluia. Tu es grand. Oui. Chantons-le combien. Oui, Seigneur, nous voulons te dire encore combien de fois tu es bon. Nous voulons bénir ton nom. J'aimerais encore te dire merci encore pour cette occasion que tu me permets, Seigneur, de partager ta parole, Seigneur, avec des bien-aimés et avec ceux-là qui recherchent la vérité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Jésus-Christ. J'appelle, Seigneur, que ton sang me couvre encore, Seigneur, ce soir, contre toute erreur, contre tout égarement. Seigneur, que ton sang, Seigneur, protège ma personne, protège ma famille, protège, Seigneur, tout cela, Seigneur, qui habite dans ma maison. Protège, Seigneur, toute mon équipe, ceux-là qui travaillent avec moi. Protège même l'auditeur, Seigneur, contre toute erreur. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton sang me couvre, que ton sang me couvre, que ton sang me couvre, que ton sang me couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme promis, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà vous dire shalom ou encore bonsoir, ceux-là qui nous écoutent. Et c'est votre frère Modibo Abdoulaye, je suis missionnaire, apologiste. Donc, spécialisé dans les questions islamiques, je suis le président et le fondateur de Anour Ministry. Donc, un ministère qui travaille dans l'apologétique, dans la défense de la foi chrétienne. Nous travaillons à équiper chaque chrétien à apprendre à défendre sa foi. Et en d'autres termes, nous réfutons l'islam, nous exposons les faux enseignements de l'islam. Et nous parlons de Jésus-Christ aux musulmans en les approchant, en les apportant l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, le seul sauveur de l'humanité. Sans lequel nous nous retrouvons tous en enfer. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ aime les musulmans, Jésus-Christ aime tout le monde. Gloire à Jésus. Alors, la dernière fois, je vous ai promis que nous allons commencer à avoir des enregistrements, des messages, des études bibliques ensemble pour pouvoir vous équiper dans les quatre coins du monde où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, je suis dans l'embarras de choix parce que je ne sais pas finalement de quel sujet nous allons parler. Mais entre là, nous allons peut-être... Donc, nous allons parler, c'est déjà décidé, nous allons parler de l'assurance du salut. Nous allons d'abord commencer dans l'islam avant de chuter au niveau du christianisme. Est-ce que, Jésus-Christ a promis à ses disciples, garanti à ses disciples qu'ils iront au paradis? C'est tout ça que nous allons voir. Mais là, nous n'allons pas voir cela en cette séance, en cette vidéo. Nous allons le voir. Nous allons étudier cela, une autre vidéo. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de nous poser la question, est-ce que réellement l'islam, est-ce que véritablement l'islam donne l'assurance à ses adeptes, aux musulmans, que s'ils meurent d'office, ils iront au paradis auprès d'Allah? Si oui, à quelles conditions? Sinon, quels sont ces passages qui disent, qui garantissent aux musulmans qu'ils iront en enfer? Alors, c'est tout ça que nous allons essayer de voir en quelques minutes aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas que la vidéo dure beaucoup de peur que cela pèse. Donc, et même si ça dure, nous allons couper cela en deux parties. Donc, est-ce que réellement l'islam donne la garantie aux musulmans qu'ils iront au paradis? Parce que l'objectif de toute religion, si c'est un musulman qui m'écoute aujourd'hui, qui m'écoute ce soir, pardon, j'aimerais que tu te poses cette question, que tu considères cette question comme la question la plus sincère, la plus sérieuse qui se doit d'être posée. Il faut être honnête avec soi-même. Vous ne pouvez pas vous tromper sur cette question. Vous ne devez pas vous tromper sur cette question. La question reste toujours là. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je suis garanti? Ma place est garantie au paradis, auprès d'Allah, auprès de Dieu. Est-ce que j'ai cette assurance? Est-ce que j'ai cette garantie? Si oui, quels sont ces passages qui te donnent la garantie ici sur terre que si tu meurs, tu iras au paradis?
au-delà de toutes les questions et toutes les distractions qui se lèvent. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il prophète seulement d'Israël? La Bible est-elle falsifiée? Et tout. La question qui reste la plus basique, la question la plus essentielle, c'est de se poser la question, si je meurs, est-ce que je suis garanti que j'irai au paradis? La religion que je suis, est-ce que cette religion me donne l'assurance, me donne la garantie d'aller au paradis? Est-ce que le Dieu de cette religion me garantit que je serai sauvé? Et comment? Et quelles sont ces conditions? Quels sont donc ces passages qui me garantissent cela? C'est une question qui ne fait pas, comme les Anglais disent, bypasser. Il ne faut pas bypasser cette question. Il ne faut pas passer cette question. C'est honnête. Si c'est, réellement nous cherchons Dieu, il faudrait que nous suivons cette religion, une religion, en fonction de la réponse que cette religion apporte par rapport à cette question. Est-ce que la religion dans laquelle me garantit l'assurance que j'irai au paradis? Parce que l'enfer, mes amis, l'enfer, mes amis chrétiens et musulmans, l'enfer c'est le lieu, il ne faut même pas souhaiter cela même à ton plus pire ennemi. Parce que l'enfer, ce n'est pas une salle d'attente climatisée. L'enfer, ce n'est pas une salle de football. Non, l'enfer, on y souffre. L'enfer, on n'y souffre pas pour 10 ans, pour 100 ans. L'enfer, on y souffre pour l'éternité. Donc, il serait mieux aussi longtemps que nous sommes conscients que nous sommes à vie. Nous sommes en vie sur terre. Aussi longtemps que Monsieur la mort n'est pas venu nous chercher, il est important de clarifier cette question. Parce que Monsieur la mort ne donne pas souvent de rendez-vous. Monsieur la mort vient à l'improviste. Donc, est-ce que l'islam garantit la question du paradis aux musulmans? J'aimerais ensemble que nous feuilletons cette question ensemble. Parce que c'est une question nécessaire, essentielle, comme tout à l'heure j'étais en train de vous le dire. Donc, il faudra savoir que la question du salut ou encore du paradis dans l'islam est une question vraiment très ambiguë, comment je peux dire, de manière vraiment, l'islam ne répond pas de manière claire. Il ne donne pas une assurance aux musulmans que oui, vous irez au paradis. Alors, est-ce que je suis en train simplement de donner des affirmations fortuites? Non. Rappelez-vous, quand on donne des affirmations, il reste un autre travail. Le travail de prouver cette affirmation. Alors, il faut déjà savoir, la personne exceptionnelle de l'islam, C'est Monsieur Mohammed, le fondateur de l'islam. Donc, dans le Coran, il est la personne la plus, la personne exceptionnelle. Peut-être une autre vidéo, nous allons voir comment le Coran et l'islam vénèrent Mohammed à la place d'Allah. Donc, je vais vous prouver cela dans une autre vidéo. Mais, il faut déjà savoir que la personne la plus privilégiée, la personne même que même Allah prie pour cette personne-là, et il demande même aux croyants de prier pour lui. Donc, c'est Mohammed. Parce que souvent les musulmans disent que voilà comment Jésus est Dieu et puis vous avez et Jésus prie, comment est-ce qu'il peut donc être Dieu et en même temps il prie, comment? Donc ça c'est toute la question qu'il faut savoir. Donc mais il faut savoir que dans le Coran, comme tout à l'heure je tente pour vous dire, dans la sourate par exemple, la sourate 33, nous allons essayer un peu de voir cela. Pourquoi est-ce que je dis que Mohammed est la personne la plus privilégiée de l'islam? C'est parce que pratiquement, regardez un peu dans la sourate 33, si vous avez votre Coran là-bas ou dans votre téléphone Android, tapez simplement sourate 33. Voilà le verset 50. Il dit par exemple que « Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur marque. » Le marque, c'est-à-dire la dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou les esclaves qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel également, et les filles de tes tantes maternelles. Alors, il dit, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi. Un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eut donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, nous pouvons voir comment
Le Coran, Allah donne l'autorisation à Mohammed de pouvoir avoir autant d'épouses qu'il veut, autant d'épouses. Lui, il n'y a pas de problème, cela ne va pas déranger Mohammed, Allah. Autant d'épouses, les esclaves et toutes les femmes croyantes, toutes ces femmes qui consentent à être épouses avec Mohammed, donc autant que possible. Et donc, comme vous voyez dans les hadiths, les hadiths montrent que voilà, Mohammed en avait. Buhari, hadith Buhari, c'est-à-dire que l'une des hadiths, l'une des traditions les plus authentiques, pas l'une, la plus authentique d'abord, Buhari dit que par exemple Mohamed avait 9 quand il est mort, il a laissé 9 épouses, et voilà, Muslim dit qu'il en avait 13, etc. Donc, il en avait plusieurs. Mais maintenant, regardez un peu, par contre, ce que le Coran dit, il dit, et si, nous sommes dans la sourate 4, il dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci, alors une seule ou des épouses que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc vous voyez un peu ici, voici un ordre dans la sourate 4, le verset 3. La sourate An-Nisa, sourate 4, le verset 3, qui donne cet ordre aux musulmans que il faudrait qu'ils aient au maximum 4 femmes. Je dis bien 4 femmes. Et surtout, même pour en avoir 4 femmes, il faut avoir, il faut pas, ça dit, il faut avoir la capacité de les aimer de la même manière, donc de ne pas être injuste. Mais ça, c'est ce que ça, c'est pour les musulmans. Mais celui qui semblerait être le modèle d'après la Sourate 33, on dit que Mohamed est le modèle par excellence. Ce modèle a boycotté même le propre ordre qu'il donne. Comment est-ce que vous comprenez un peu cela? Donc, Mohamed était le privilégié, un prophète qui devrait souffrir, montrer l'exemple, une vie de martyr, une vie exemplaire de renoncement. Ce prophète plutôt se donne une vie permise, une vie de déploiement. C'est un problème réel. Donc, pourquoi est-ce que je cite ces passages? C'est d'abord pour vous montrer que dans le Coran, voilà, la personne qui est, comment dire, qui est exceptionnelle, qui a des avantages exceptionnels, c'est Mohamed. Il n'y en a pas deux personnes. C'est Mohamed et Mohamed et Mohamed seul. Par exemple, et l'exception de Mohamed ne s'arrête pas seulement là au niveau des avantages même de ses épouses. Parce que regardez, il en a eu plus de 9 épouses. Et même d'ailleurs, puisqu'on dit que pour en avoir même seulement 4, il faut avoir la capacité de les aimer de la même manière. Mais les hadiths nous rapportent comment on a parmi les femmes de Mohamed, ils étaient divisés l'une à l'autre. Divisés, il y avait deux clans, le clan de Aïcha et le clan de l'autre. Et donc, bon, là c'est un autre sujet. Pourquoi encore Mohamed pourrait-il être la personne exceptionnelle de l'islam? Dans l'islam, une personne privilégiée a des avantages exceptionnels dont les musulmans n'en bénéficient même pas du tout. Par exemple, l'exception de Mohamed va jusqu'au niveau où Mohamed, dans la sourate 33, j'aimerais que vous lisiez ça, la sourate 33, si vous pouvez encore nous rentrer dans la sourate 33, le verset 56, là. Voilà, il dit, regardez un peu la sourate 33, il dit, certes, Allah et ses anges, écoutez très bien cela, c'est très grave. Allah et ses anges sur le prophète. Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris cela. La sourate 33, le verset 56 dit, certes, Allah et ses anges, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Voilà pourquoi les musulmans sont toujours appelés, depuis que Mohamed est mort, aux années 632, ils sont appelés à chaque fois donner des prières sur le nom de Mohamed quand il prononce son nom, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, donc, ou encore que Allah prie sur lui. Mais d'ailleurs, nous venons de voir comment le Coran lui-même, le Coran dit dans la sourate 33, le verset 56, que Allah et ses anges prient sur Mohamed. Donc Allah prie. Donc entre guillemets, les musulmans qui vous disent que Jésus prie, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu, montrez-leur comment même les propres Allah prie. Et prie qui donc finalement? Donc ça, c'est tout ça qu'il faut voir. Bon, ceux-là qui comprennent l'arabe, ceux-là qui lisent l'arabe, quand ils vont lire, ils vont mieux comprendre même que le mot sallah ici, ça veut dire le mot lire.
de mon prier, pardon, excusez-moi. Donc, Mohamed est l'homme l'homme prioritaire, l'homme exceptionnel de l'islam. Mais maintenant, qu'est-ce que finalement l'islam dit par rapport au salut? Qu'est-ce que l'islam dit? Par exemple, j'aimerais qu'on lise par exemple la sourate 2 ensemble. La sourate 2, le verset 25. Sourate 2, verset 25. Je tape rapidement. Sourate 2, verset 25. Alors, regardez un peu comment, de quoi est fait le salut dans l'islam. Annonce-leur. Annonce à ceux qui croient et pratiquent. Comprenez très bien. À ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins pour lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là, ils demeureront éternellement. Alors, la sourate 2, verset 25, nous dit que ceux-là qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres pourront avoir le paradis. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et les bonnes œuvres. Alors, on continue également dans la sourate, par exemple, la sourate 2, toujours le verset 81. Sourate 2, verset 81. Je lis pour nous deux, pour nous tous. Voilà, excusez-moi. Bien au contraire, ceux qui... 81 à 82. Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Dans la pratique des bonnes œuvres, nous donne une quelconque, d'après le Coran, une quelconque possibilité d'aller au paradis. Mais vous allez comprendre qu'il est impossible qu'un musulman dise que oui, étant suité, je peux aller au paradis. Impossible. Nous allons scruter cela ensemble. Donc, la même vérité également se retrouve dans la sourate 33, par exemple. Donc, les bonnes œuvres nous donnent la possibilité d'aller au paradis. Donc, la sourate 33, verset 55, par exemple, dit « Nul grève sur elles au sujet de leur père, leur fils, leur frère, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah car Allah est témoin de toutes choses. » Donc, la sourate, cette sourate que nous venons de lire déjà, nous donne déjà de comprendre que, voilà, ceux-là qui pratiquent les bonnes œuvres peuvent aller au paradis. Peuvent aller au paradis. Voilà, donc nous continuons, nous allons un peu voir sur quelle base, comment est-ce que le jugement voilà, dans l'islam va se passer. Regardez un peu, dans la sourate par exemple, la sourate 31, pardon, la sourate 101, dans la sourate Al-Kariya, tout comme ça, la sourate 101. La sourate 101, quand on lit par exemple tout le chapitre de cette sourate, sourate 101 dit, voilà, il dit, le fracas, ici on parle de l'enfer. Le fracas, c'est l'enfer. Il dit, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Voilà. Donc, d'après l'islam, il y aura donc, le jugement va se passer sur le poids de la bonne balance et de la mauvaise balance, dont les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Voilà. Les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Donc, il y aura deux anges, l'ange du bien et l'ange du mal, qui sera là pour peser vos bonnes œuvres et vos mauvaises œuvres. Ça, c'est ce que l'islam dit. Et si vos mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes, vous irez naturellement en enfer. Donc, mais si c'est le contraire, vous aurez l'opportunité d'aller voilà, dans une vie agréable, qui est le paradis. Donc, voici ce que l'islam dit. Mais il y a une contradiction quelque part. Comprenez un peu ça.
Les bonnes œuvres réellement peuvent-ils réellement nous donner accès au paradis? D'abord, il y a une sourate, il y a un hadith, parce qu'il faut comprendre d'abord, les chrétiens qui écoutent cette vidéo, il faut que vous compreniez que l'islam, voilà, 70%, je dis bien 70%, voilà, des pratiques de l'islam, je vais même dire 80% ou même 90% des œuvres de l'islam, de la pratique de l'islam, n'est pas puisée dans le Coran, mais est puisée dans ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, ce sont les traditions ou encore les faits et gestes, c'est que comment la vie de Mohammed, c'est que d'une autre part, il y a également ce livre qu'on appelle la Sunna, qui est donc la biographie de Mohammed, la tradition de la vie de Mohammed. Donc, 80% des faits et gestes de l'islam qu'on voit, comment les musulmans font, comment ils interprètent le Coran et tout cela, ils ne le puissent pas dans le Coran, parce que sans les hadiths, le Coran est mieux et l'islam est mieux. Donc il est question d'aller dans les hadiths pour comprendre comment est-ce que tel verset a été révélé. Il est question d'aller dans les hadiths pour voir comment Mohammed interprétait, comment il vivait, comment il se vêtissait, comment est-ce qu'il mangeait, comment il s'asseyait, comment est-ce qu'il faisait l'amour avec les femmes. Et tout ça, c'est dans les hadiths. Et les musulmans sont obligés de l'appliquer. Sans les hadiths, le Coran est mieux. N'a pas de sens. Les musulmans ne sauront même pas comment prier. Ils ne sauront pas du tout. Ils ne connaîtront même pas les prophètes et tout et tout et tout. Donc, allons dans les hadiths pour comprendre est-ce que les bonnes œuvres sont capables de nous sauver, de sauver les musulmans. Regardez un peu dans le hadith le plus authentique. Voilà pourquoi on l'appelle Sahih. Donc, Sahih Bukhari. Bukhari, c'est l'un des plus authentiques de hadith, parce qu'il y en a environ 6 qui sont plus authentiques. Donc nous allons parler de Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, donc le volume 7 de ce hadith, le livre 70, le numéro 577, dit ceci. Abu Huraira rapporte que j'ai entendu l'apôtre d'Allah dire: personne ne pourra compter sur ses bonnes œuvres pour entrer au paradis. Comprenez ça? Personne ne pourra entrer sur ses bonnes œuvres pour entrer au paradis. C'est-à-dire, personne ne peut entrer au paradis à cause de ses bonnes œuvres. Voici ce que le prophète Mohammed, le prophète de l'islam dit. C'est-à-dire les compagnons du prophète, ont dit, même pas toi, oh apôtre d'Allah. Il répondit, même pas moi, à moins que Allah déverse sa faveur et sa miséricorde sur moi. Donc, ce hadith nous affirme encore que la miséricorde d'Allah, on ne peut que compter ne serait-ce que sur la miséricorde d'Allah, parce que, voilà, les bonnes œuvres, impossible que les bonnes œuvres puissent sauver un être humain. Il est complètement impossible, parce que ce hadith vient de le dire. Alors, regardez un peu, pourquoi est-ce qu'il est impossible, voici ce que le Coran dit, encore, pourquoi est-ce qu'il est impossible que le musulman puisse aller au paradis en comptant sur ses bonnes œuvres? Impossible, pas d'espoir. Il est impossible, je dis bien impossible. C'est vraiment une injure à l'égard de Dieu. Compter un pécheur orgueilleux comme aller dans un paradis saint avec Dieu, c'est terrible. Dieu qui a chassé Adam à cause d'un péché, il va prendre les Camerounais, les Français remplis de péché, aller au paradis. Ça, c'est vraiment ce que nous parlons pas du même Dieu. Mais regardons un peu encore les propres sources, votre propre source, le Coran, les hadiths, qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons voir dans le Coran, dans la sourate 4, par exemple. Le verset 28, il dit, regardez un peu. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Donc, en d'autres termes, la nature, la matière avec laquelle Allah a créé l'homme est une nature faible, est une nature qui est poussée à faire ce qui est mauvais. J'aimerais que vous compreniez très bien ce point. La matière avec laquelle Allah a créé l'homme est une nature, c'est une matière qui est impossible à faire ce qui est bien, qui est impossible à obéir à Dieu. Dieu le sait. D'après le Coran,
Mais peut-être vous serez en train de dire que je suis en train de mal interpréter votre Coran. Et vous serez de plein droit de penser cela. Voilà pourquoi je n'aimerais pas mal interpréter votre Coran. J'aimerais donc aller dans vos propres sources. J'aimerais, là, à ce niveau, prendre un tafsir. L'un des plus grands intellectuels de l'histoire de l'islam qu'on appelle Ibn Kathir. C'est lui qui a écrit, il a écrit un commentaire coranique. Parce que les musulmans ont également ce qu'on appelle les tafsirs. Ce sont les commentaires où on fait l'exégèse du Coran pour comprendre l'interprétation coranique. Et l'un des plus grands cités dans la majorité des livres islamiques, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset-là, Sourate 4, verset 28 que je viens de lire, que l'homme a été créé faible. Regardez un peu ça. Donc, il dit, le Seigneur, par ces versets et d'autres, veut montrer aux croyants le licite et l'illicite en leur faisant connaître les traditions des générations passées et agréées par lui. Il veut également les diriger comme il veut leur pardonner, car il connaît parfaitement les actions des hommes et il est juste. Maintenant, comprenons la suite. Dieu connaît bien que l'homme est né faible et ne peut observer strictement les lois et prescriptions divines. Pour cela, il lui a permis d'épouser les esclaves comme dans les conditions qu'on a montrées. Telle est l'opinion de Mujahid et d'autres. L'homme est toujours faible envers les femmes, comme ont précisé Tahouz et Wabj. Voici ce que l'intellectuel islamique dit. Il dit très bien que l'homme est né faible et ne peut observer strictement les lois et les prescriptions divines. Donc, quand Dieu va dire ne ment pas, c'est alors là que l'homme va mentir. Quand Dieu va dire ne couche pas avec la femme d'autrui, c'est alors là que la matière, la chair, le péché qui est dans l'homme va partir coucher avec la femme d'autrui. Donc, l'homme est incapable d'obéir à Dieu. L'homme est incapable de remplir. Donc, de remplir les exigences de Dieu. Voilà ce qui est, voici ce qui est, donc voilà la vérité, ce que l'islam dit. Voici une vérité. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui a une matière faite sera encore jugé en fonction du bien et du mal qu'il aura à faire? C'est quand même triste. Si je sors, comme j'ai d'habitude de dire, si je sors de la maison et j'ai mon enfant de 5 ans ou de 4 ans, je lui dis de faire entrer ma moto ou encore le sac de ciment de 50 kilos à l'intérieur de la maison. Je lui dis que si je reviens, je trouve que tu as fait entre cela, je vais te garder, voilà, je sais pas quoi, ta voiture. Je vais t'acheter ta voiture ou encore le yaourt. Mais si je reviens, je trouve que ce sac de ciment est encore dehors, je vais te fouetter. Si l'enfant est intelligent, il sera en train de comprendre que papa a dit que je vais te fouetter. Parce que j'ai encore 4 ans, je ne peux pas porter le sac de ciment qui a 50 kilos. Il est impossible. Et même si papa dit qu'il va me garder les jouets là, en fait, il sait que je ne peux pas porter cela. J'aimerais que vous réfléchissiez très bien. Comment Allah dit qu'il a créé l'homme avec une matière faible? L'homme est né faible. L'homme est faible, incapable d'obéir à Dieu. Comment ce même Allah serait en train de dire qu'il va juger les musulmans, la race humaine, en fonction du bien et du mauvais qu'ils auront à faire? Car d'ailleurs, même il y a deux balances, deux anges qui enregistrent tous les bonnes et les mauvaises œuvres. Pensez-vous que cet homme va s'en sortir? Celui qui est poussé à faire ce qui est mauvais, va-t-il quand même s'en sortir quand on va dire qu'on va le juger en fonction du bien et du mal qu'il va faire? Non, non, non. Ça, ce sont de faux espoirs. Le musulman qui est intelligent va comprendre que Allah est en train simplement de dire que vous irez tous en enfer, finalement. Vous irez tous en enfer. Vous irez tous en enfer. Ça, c'est une triste réalité. Qu'est-ce que le Coran nous informe encore? Qu'est-ce que le Coran... Pourquoi est-ce que c'est un problème clair dans l'islam, le fait de penser qu'on pourrait être sauvé à partir de nos bonnes œuvres? Il est impossible déjà, je vous montre, il est très impossible pour un musulman d'espérer à partir de leur propre courant. Par exemple, dans la sourate 99, le verset 7 à 8. Sourate 99, le verset 7 à 8 dit ceci. Il dit, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc,
Quiconque fait un bien, fils du poids de Nathan, le verra. Quiconque fait un mal, fils du poids de Nathan, le verra également. Le verra. C'est-à-dire que même si je demande pardon à Allah et tout ça là, Allah ne pardonne pas puisqu'il dit, si je fais un mal ici sur terre, je fais un mal, je vais le revoir, je le reverrai parce que je veux le revoir cela dans la balance. Qui dit pardonner dit normalement effacer. Quand vous dites Allah est miséricordieux et compatissant, il pardonne, pourquoi encore vous allez revoir vos péchés en haut là-bas? Quand on t'a dit que Dieu pardonne, ça veut dire qu'il efface. Il efface, il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché normalement. C'est ce que la Bible normalement nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Que si nous confessons nos péchés de notre bouche, voilà, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc il est fidèle pour le faire. Donc il dit que si je fais un mal, même si c'est le poids d'un atome, aussi léger que je fais, je veux revoir ce mal là-bas. Je ne vais pas fuir cela. Donc que je sache que je veux revoir. Donc c'est un problème que les musulmans ne savent pas. Et il faut qu'ils soient informés par rapport à cela. C'est un problème véritable. Alors, pourquoi encore c'est un problème de penser que je pourrais aller au paradis en fonction des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres que je pratique? J'aimerais qu'on lise ensemble la sourate 4, le verset 17 ensemble, 17 à 18. Sourate 4, verset 17 à 18, voilà. Sourate 4, verset 17 à 18 dit ceci. Allah accueille seulement le repenti. Écoutez très bien cela. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Aïe, 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 aïe. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Et qui s'écrie, certes, je me réponds maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Vous comprenez un peu ça? Le Coran affirme à tout musulman et à n'importe qui écoute, qui a dit que sur cette terre, que Allah ne pardonne pas ceux-là qui pêchent volontairement. C'est-à-dire que si je m'en vais mentir, je m'en vais voler la chose de quelqu'un et puis je viens demander pardon, ne compte pas que Allah va te pardonner. Il n'est pas ce genre de Dieu qui pardonne les gens de ce genre de péché. Donc, il ne peut que pardonner le genre de péché involontaire. Un péché involontaire. Un péché non prémédité. Un péché spontané comme ça. C'est une affaire très grave. Est-ce que les musulmans n'ont jamais péché des péchés volontaires? Qui est sur cette terre qui n'a jamais eu à commettre des péchés involontaires? À qui irons-nous si Dieu dit qu'il ne va pas nous pardonner ce genre de péché, ces péchés volontaires? À qui irons-nous si Dieu dit qu'il ne peut pas nous pardonner ces péchés volontaires? Qui va donc nous pardonner si lui il est incapable de nous pardonner? Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Les musulmans ne doivent pas passer sur ces questions-là. Et j'aimerais encore que nous partageons cette note sourate qui nous prouve qu'il est impossible pour un musulman d'avoir cette assurance qu'il sera au paradis. Impossible sur terre. Impossible. Voilà, tout à l'heure nous avons vu comment Mohamed dit que les bonnes œuvres ne peuvent sauver personne. Voilà pourquoi à chaque fois les musulmans disent Inch'Allah. Si vous posez la question, est-ce que tu es dans le paradis? Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà ce que les musulmans ont dit. Donc, j'aimerais qu'on partage encore cette sourate. La sourate, par exemple, la sourate 7. La sourate 7, le verset 179, ensemble. Sourate 7, verset 179. Sourate 7, verset 179. Alors, écoutez très bien ce que le Dieu de l'islam, qui s'appelle Allah, dit pour tous les musulmans qui l'appartiennent, je pourrais dire cela. Bon, il dit, nous avons destiné beaucoup de djinns
et d'hommes pour l'enfer. Écoutez très bien ça. Nous avons destiné beaucoup de dignes, beaucoup, et d'hommes pour l'enfer, et ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Allah dit que quoi? Il a réservé l'enfer pour beaucoup des hommes et beaucoup de dignes. Donc, beaucoup des hommes, Allah a réservé l'enfer. Comment est-ce que musulman, tu peux savoir que tu ne fais pas partie de ceux-là que Allah a réservé pour l'enfer? Quel est ce Dieu qui, c'est-à-dire qui prédestine les gens pour l'enfer? Ça, c'est une question quand même, c'est quand même bizarre. La question est encore plus grave à ce niveau. Plus nous avançons, nous constatons que la chose devient de plus en plus sérieuse et gravissime. Très gravissime. Nous avons destiné. Donc, ça dit que peu importe. Si vous voulez, musulmans, allez faire votre zakat, allez faire votre salade, allez faire le hajj et tout ça. C'est-à-dire, il dit, si vous êtes réservé pour l'enfer, vous allez être en enfer. Puisqu'il a réservé beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? Beaucoup, c'est beaucoup. C'est une affaire très sérieuse. Comment est-ce que tu peux savoir que tu ne fais pas partie de cela? Un autre problème, dans la sourate 6 par exemple, j'aimerais qu'on partage ça. La sourate 6, le verset 39. C'est vrai qu'il y en a plusieurs sourates qui parlent de ce genre de choses, qui complètent ça. La sourate 6, le verset 39 dit: et ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets. Dans les ténèbres, ils sont dans les ténèbres, sont sourds et muets dans les ténèbres. Et puis il dit, Allah égare qui il veut. Et il place qui il veut sur un droit chemin. Sur le chemin droit. Comment, musulman, peux-tu savoir que tu ne fais pas partie des personnes que Allah a égarées ou encore va égarer? Ça, c'est la question qu'il faut savoir. Comment peux-tu savoir, musulman, étant ici sur terre, que tu ne fais pas partie des personnes que Allah a réservées pour l'enfer, puisqu'il dit qu'il a réservé l'enfer, il a destiné les hommes pour l'enfer, beaucoup des hommes. Comment peux-tu savoir tout cela, étant ici sur terre? Comment peux-tu savoir que tu iras au paradis? Comment est-ce que je peux savoir que j'irai au paradis étant ici sur terre? Qu'est-ce que l'islam garantit? Est-ce que l'islam garantit? C'est une affaire sérieuse. L'islam ne garantit absolument rien du paradis. Rien du paradis aux musulmans. Absolument rien. Alors, gloire à Jésus pour son amour et pour son sang qui est versé sur la croix et qui est disponible pour tout musulman qui aimerait espérer avec assurance, avec certitude qu'ils auront au paradis, qu'ils veulent aller au paradis. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit que la porte est ouverte. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Il est mort sur la croix pour sauver tous ceux-là qui vont croire à lui. Jean chapitre 3, verset 16. Donc nous allons continuer dans la sourate 19. Et là vous allez un peu beaucoup rire. Peut-être ça va vous faire battre le cœur. Mais je ne veux pas, à partir de cette sourate encore, je ne veux pas prendre mon interprétation personnelle. Je vais prendre l'interprétation des livres islamiques de ce passage. Et le musulman intellectuel, le musulman qui est soucieux de son paradis, du jugement dernier, doit réfléchir sérieusement sur ces questions-là. Alors regardez la sourate 19, verset 70 à 72, je vais dire cela. Voilà, il dit, puis nous sommes le meilleur. C'est Allah qui parle. Ici, il est prétendument c'est Allah qui parle. Il dit, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient justes, ceux qui étaient pieux, et nous laisserons les injustes à genoux en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes à genoux en enfer. Quelle est cette interprétation de ce passage?
Et il faut comprendre que ici ce passage promet que tous les êtres humains, y compris les musulmans, iront d'abord en enfer. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, car il dit qu'il s'agit ici pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est déjà arrêté. Il a déjà arrêté cela. Peu importe vos salats et vos supplications, vos doigts, c'est déjà arrêté. Comprenez que vous mourrez pour d'abord aller en enfer. Il dit c'est de là qu'il va d'abord enlever les justes, les pieux, les plus pieux, et puis il va laisser à genoux là-bas en enfer les injustes. Mais il va laisser les injustes là-bas, mais les justes, il va les enlever pour aller au paradis. Mais ils vont d'abord aller en enfer. Quel est ce Dieu, cher musulman, que pour vous sauver, il vous fait d'abord passer par l'enfer? Pourquoi? Il y a quoi de particulier à l'enfer? Si on suit une religion, c'est justement pour fuir l'enfer. Pour ne même pas être à côté de l'enfer. Mais quel est ce Dieu qui nous promet de passer d'abord par l'enfer? C'est une question sérieuse. J'aimerais prendre l'interprétation de l'un des plus grands exégètes islamiques qui s'appelle Ibn Kathir. Il dit par rapport à ce verset, il dit « Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci après comment les oulémas ont avancé leur interprétation. » Regardez un peu ce qu'il continue. Il dit, donc, en fait, même ce passage a amené beaucoup d'interprétations. Ils sont même embrouillés par rapport à cela. Ce passage est clair. Quand le Coran dit qu'il est clair, c'est clair. Mais quand même, les gens veulent comprendre, compliquer les choses. Pourquoi? Il dit, voilà ce qu'il dit. Il continue. Ibn Kathir continue. Il dit, l'imam Ahmed rapporte que Abu Samia a dit, en discutant la question de la précipitation en enfer, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis, Dieu sauvera ceux qui auront cru. J'ai rencontré Jabir bin Abdullah, et en lui posant la même question, il répondit, tous, j'ai dit, comprenez très bien cela, bien aimé, tous sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit, que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, qui, pour les premiers, sera paix et fraîcheur dans le feu, comme le feu était pour Abraham, même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu, comprenez ça, puis Dieu en fera sortir les croyants et il sera les prévaricateurs à genoux. Donc, ce témoin nous dit que il a entendu le messager d'Allah, Jibril bin Abdullah, que le messager d'Allah dit que tous iront en enfer d'abord. Tous iront en enfer. C'est triste, chers musulmans. Est-ce que c'est mon interprétation? Non, c'est pas mon interprétation. Je le tire de vos propres livres islamiques, vos sources les plus authentiques. Le tafsir le plus authentique, l'un des plus grands auteurs, Ibn Kathir. Il continue, il dit, Qais bin Abi Hazim raconte que, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah bin Abi Rawaha pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dires de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception en enfer. Bon, en enfer, c'est moi qui le mets, quoi. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Comprenez très bien ce que ce grand disciple de Mohammed le dit. Il pleurait amèrement. Il pleurait amèrement et sa femme pleurait également. Il posa à sa femme, pourquoi tu pleures? Sa femme dit, je pleure parce que je t'ai vu pleurer. Il dit, moi je pleure parce que je me rappelle des paroles d'Allah qui dit que tous seront précipités sans exception. Et il continue, dit que je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Oh mon Dieu, quelle est cette religion? Où est-ce qu'on part, ce musulman? Où allez-vous?
Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté, que ma mère ne m'eût pas enfanté, et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, oh Abu Maïsara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons tous précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Abdullah bin Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, en commandant le verset précité, a dit, tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Ouais. Etc. Donc, vous voyez en fait la vidéo, vous voyez la suite du tafsir là. C'est bien loin, donc, mais c'est une affaire très sérieuse. Donc, les propres sources les confirment qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance pour le musulman qui veut aller au paradis. Il n'y a pas d'assurance. L'islam vous promet plutôt l'enfer. C'est une affaire sérieuse. Mais peut-être il est tout à fait normal de se poser la question, est-ce que Mohamed lui-même était, c'est-à-dire, est-ce que Mohamed lui-même avait cette assurance qu'il ira au paradis? Est-ce que lui-même il était sûr qu'il sera sauvé? J'aimerais que vous lisiez avec moi la sourate 46. La sourate 46, le verset 8 à 9. Regardez ça. Sourate 46, verset 8 à 9 dit ceci. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dit, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous, et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Quel genre même de pardonneur? Ça c'est entre parenthèses quoi. Il dit le verset 9, il dit, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Écoutez très bien ça. Le Coran dit que Mohamed a dit, ou encore que Allah a commandé Mohamed a dit, que je ne suis pas une raison parmi les messagers d'Allah. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Donc, en d'autres termes, les musulmans sont en train de suivre quelqu'un qui ne sait même pas si lui-même il ira au paradis ou pas. Et que lui-même il ne sait même pas si lui-même, celui qui le suit, ira au paradis ou pas. Pourquoi donc le suivez-vous? Est-ce que ça c'est du fanatisme? Pourquoi donc suivre quelqu'un qui ne sait pas si lui-même il ira au paradis et que si vous-même vous irez au paradis? Pourquoi le suivre? Donc pourquoi donc vous êtes musulman? Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur. Aide-nous, Jésus. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta lumière. Ouvre les yeux de nos auditeurs afin qu'ils puissent comprendre la lumière. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Jean chapitre 12, le verset 35, je me rappelle, la Bible dit clairement, si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir cela, je vais ouvrir là. Il dit, Jean chapitre 12, verset 35 dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc, en d'autres termes, Mohamed est en train de marcher dans les ténèbres, puisqu'il ne sait pas où il va, et il ne sait même pas où il est en train de conduire ceux-là qui sont en train de le suivre. Un aveugle qui conduit un aveugle, où iront-ils d'après la Bible? Ils tomberont tous deux dans le trou. Tous deux dans le trou. Si je suis en train d'aller à Yaoundé, j'entre dans un bus qui est censé dans ma tête aller à Yaoundé, je pose la question au chauffeur. Chauffeur, où est-ce qu'on part? Le chauffeur me dit, mon frère, je ne sais même pas là où nous sommes en train de partir. Mon ami, en tant que quelqu'un qui a ses cinq sens, je descends à l'instant. Parce que moi, je suis en train de vouloir aller à Yaoundé.
Je suis entré dans un bus où le chauffeur ne sait pas où il part. Rappelez-vous ici qu'on ne parle pas du fait d'aller à Yaoundé. Nous parlons du fait du paradis. Nous parlons du paradis. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Peut-être vous serez en train de dire que j'ai encore mal interprété ce passage. Est-ce que mon maître lui-même était sûr qu'il irait au paradis? J'aimerais qu'on aille maintenant dans les hadiths. Nous allons lire ensemble le hadith ici. Sahih Bouhari également. Le Sahih Bouhari, rappelez-vous, c'est le plus authentique des hadiths. Le volume 5, le livre 58, le numéro 266. Il dit, raconté par Al-Ala, il dit, une femme d'Ansari qui avait fait le gage d'allégeance au prophète que les habitants d'Ansar ont attiré beaucoup d'immigrants, Ousmane bin Mousouna, a décidé d'habiter avec la famille d'Oum Al-Ala. Ousmane est tombé de malade, je l'ai soigné, c'est ce que Oum Al-Ala raconte quoi. Je l'ai soigné jusqu'à ce qu'il meure. On l'a couvert avec ses habits, alors le prophète est venu vers nous et je me suis adressé au corps mort en disant, oh Abu As-Sa'id, que la miséricorde d'Allah soit sur toi, je proclame qu'Allah t'a honoré. Dès que j'ai dit cela, le messager, le prophète, m'a repris en me demandant, comment sais-tu que Allah l'a honoré? J'ai alors répondu, je ne sais pas, peut-être que parce que mon père et ma mère se sont sacrifiés pour toi, ô apôtre d'Allah. Qui donc est digne de cela si ce n'est Ousmane? Et il répondit, le messager d'Allah répondit, par Allah, la mort l'a pris, mais j'espère le meilleur pour lui. Par Allah, même comme je suis apôtre d'Allah, je ne sais pas ce que Allah fera de moi. Je ne proclamerai jamais la piété de quelqu'un après sa mort. Cela m'a rendu triste. Voilà ce que vos propres sources disent. Mohamed lui-même dit qu'il ne proclamera jamais la justice d'un homme mort. Il dit que lui-même, il ne sait pas ce que Allah va faire de lui. Est-ce que Modibo a inventé? Non. Il n'a pas inventé. Toujours dans Sahih Bukhari, le volume 4, cette fois-ci, le livre 51, le numéro 16, il dit, raconté par Abu Huraira, quand Allah a révélé le verset, avertissez vos plus proches voisins, l'apôtre d'Allah s'est levé et a dit, ô peuple Quraïchite, sauvez-vous du feu de l'enfer, puisque je ne peux pas, je ne peux vous sauver de la punition d'Allah. Ô Bani Abdelmanaf, je ne peux pas vous sauver de la punition d'Allah. Ô Safia, la tante de l'apôtre d'Allah, je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Ô Fatima bin Mohamed, demande-moi ce que tu veux dans mes richesses, mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Voilà ce que Mohamed promet. Voici ce que Mohamed dit à tous les musulmans. Voici ce que Mohamed dit à tous ceux-là. À tous ceux-là qui pensaient qu'il pouvait leur donner une quelconque assurance du paradis. Une quelconque assurance du paradis. Mohamed leur dit que lui, il ne peut pas. Car lui-même, il ne sait pas ce que son sort sera. C'est une affaire très sérieuse. Les musulmans qui nous écoutent, il ne faudrait pas qu'ils le voient, qu'ils nous écoutent cette vidéo comme un jugement ou encore comme une condamnation, mais plutôt comme un avertissement de la part du Seigneur. Et ceux-là qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous encourage de faire davantage de recherches. Ne quittez pas ce sujet, ne continuez plus à être musulman tant que vous n'avez pas résolu ce problème. C'est une affaire sérieuse. Mais il faut quand même, il y a une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle triste. Il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que, voilà, c'est qu'il y a quand même une fois, la seule fois que le musulman peut être sûr d'aller au paradis, c'est en pratiquant le diable, en tuant au nom d'Allah les mécréants, les juifs, les chrétiens et les polythéistes, deuxièmement, ou encore en mourant dans une bagarre, dans une guerre sainte. Voilà les deux possibilités pour que le musulman peut avoir
si il veut espérer quelquefois aller au paradis. Ça, c'est ce que le Coran et les hadiths le confirment. Tous les hadiths, je dis bien, tous les hadiths le confirment. Tous les hadiths confirment et le confirment et le confirment que pour aller au paradis, il ne peut que passer par le djihad. Par exemple, la sourate 4, verset 74 dit que qu'il combatte donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Sourate 4, verset 74. Et tous les hadiths le disent. Tous les hadiths. Une multitude. J'en ai une multitude. Que Allah garantit au Mujahid. Par exemple, ça c'est Sahih Bukhari dans le numéro 4, le volume 4, le numéro 46 qui le dit. Allah garantit au Mujahid. Il garantit au Mujahid. C'est-à-dire que celui qui combat dans le djihad pour le paradis. Allah garantit le paradis au Mujahid qui combat au nom d'Allah. Allah garantit au Mujahid qui combat au nom d'Allah le paradis. Ça, c'est Sahih Bukhari, le numéro 4, le volume 4, pardon, le numéro 46. Il y en a une multitude. Je dis bien une multitude. Là, vous allez le voir peut-être dans l'écran affiché. Donc, que dire au reste? Ce qu'il faut dire au reste, c'est que Mohamed est mort, sa part est passée. Mais les musulmans qui nous écoutent, ils ont encore la possibilité de vivre. Ils ont encore la possibilité de choisir où est-ce qu'ils vont passer leur éternité. Est-ce que vous allez continuer à suivre Mohamed qui ne vous garantit pas que vous allez au paradis, mais plutôt qu'il vous garantit que vous allez en enfer, ou alors vous allez finalement réfléchir, faire demi-tour, revenir à la maison, revenir auprès de Jésus-Christ, l'embrasser pour avoir la garantie réellement d'aller au paradis. Dans une autre vidéo, nous allons ensemble étudier est-ce que la Bible, est-ce que Jésus garantit le paradis à ceux-là qui le croient, à ceux-là qui le suivent. Mais rassurez-vous, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il croit en lui ait la vie éternelle. Mais qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que la parole dit. Il y a plus d'une centaine de passages qui garantissent aux chrétiens qui croient en Jésus-Christ qu'il ira au paradis. C'est une assurance. Parce que cela ne dépend pas de vos bonnes œuvres. Cela ne dépend pas de vos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne doit se vanter qu'il mérite le paradis de Dieu. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. C'est au moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible dit par rapport au salut. Alors, choisissez Jésus pour avoir l'assurance, pour avoir la paix du cœur, pour avoir la garantie, pour avoir une vie épanouie, une vie que l'argent ne peut pas vous donner, une vie que les femmes ne peuvent pas vous donner. Alors, uniquement Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur de l'univers. Jésus-Christ vous aime, peu importe le péché. Si vous avez péché volontairement ou involontairement, il est prêt à vous pardonner. Son sang est assez puissant, je dis bien assez puissant, pour effacer complètement, pour déchirer le casier judiciaire qui pesait contre vous et vous donner un casier judiciaire vierge et pur à cause de son sang saint et parfait qu'il a versé sur la croix. Alors, Jésus-Christ vous aime et je vous aime dans la paix. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, je vous encourage d'aller faire des recherches davantage et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.